Good morning, allez-y, Dan et Tuts, aujourd'hui le lundi, je suis à Marion, Ben Khana Peggy Batester, Nissim Ben Aouda et Lirfouat Efrat Mayan Batla Betor Chakol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, qu'on écrit 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Aouda Zara, Perik Bet, Mishnah Gimel. Elo, Dvarim, Shel Goim, Asurim, Ve Isura, Nisurana, Hayain, Ve Achomets, Shel Goim, Shayam, Mitchilato Yain. וחרס הדריאני ואורות לבובין. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בזמן שהקרה שלו עגול, אסור, משוך, מותר. בשר הנכנס לעבודה זרה, מותר. והיוצא, אסור מפני שהוא כזבחי מתים. דבר רבי עקיבא. ההולכין לתרפות, אסור לשאת ולתת עמהן, והבאין, מותרין. On commence à traduire tout de suite « Elu dvarim shel goyim » Telles sont les choses qui sont de provenance de goyim, qui appartenaient aux goyim, donc « ve » et qui nous les vendent ou qui vont nous les donner, et qui sont « asurim » qu'on n'a pas le droit de prendre, de « ve isuran isuranaa » Il y a même un interdit de tirer profit de ces choses-là, c'est-à-dire, comme on va prendre tout de suite sur le premier cas, on va parler du vin par exemple. Il y a un problème de yain neser qu'on va expliquer tout de suite, un problème de vin, on ne peut pas acheter le vin des goyim. Eh bien, tel que la Mishnah nous enseigne, on n'a ni le droit de le boire, ni même d'en tirer profit. Ça implique d'abord ne pas utiliser le liquide pour en faire autre chose, si on a besoin de nettoyer quelque chose, et ça, donc on a besoin de vin, peu importe, mais même aussi le vendre, recevoir la contre-valeur, ça s'appelle aussi tirer profit. Donc ce sont des choses qui sont Isuran, Isurana. Le premier on a évoqué, donc, c'est le vin. C'est la fameuse halakha du Yain Neser. Le Yain Neser, il faut savoir, il y a d'abord le cas type du Yain Neser de la Torah. Yain Neser, par définition, c'est comme on parle de Nisur Hamaim, de faire une oblation de vin sur l'autel, chez nous, et chez eux, ils font ça pour la Avodah Zarah. Le vin que le Goy a pris pour offrir en offrande à son idole devient interdit par la Torah, c'est un grave, ça s'appelle Tikrovet Avodah Zarah, Zivre Metim. Tikrovet Avodah Zarah, c'est ce qui a été apporté en offrande à la Avodah Zarah, à l'idole, et aussi Zivre Metim, Rabim appelle ça des Zivre Metim, des sacrifices pour les morts, étant donné qu'on appelle la Avodah Zarah, dans le Teilim, Loha Metim, Ya Alléluia, Velo Volir Dunuma, là-bas, je sens que c'était, ouais, on compare la Avodah Zarah à quelque chose de mort, étant donné que Pelaem Loïda Beru, Enaim Lem Veloïziru, Veloïru, ils ont une bouche, mais qui ne parle pas, ils ont un nez qui ne renifle pas, ils ne renifle pas les encens, ils ne mangent pas les corbanotes qui virent puisqu'ils sont morts. Donc c'est pour ça que ça s'appelle des ivrei metim. On en parlera dans la suite de la Mishnah, c'est pour ça que j'ai introduit. Donc le cas type de la Torah, c'est le vin que le goy a pris pour offrir pour la Avodah Zarah. Lui, il est très gravement interdit. Suite à cela, Chachamim ensuite, ils ont interdit tous les stam yenam. Il y a plusieurs nosraot, comment ça s'est passé. On va plutôt rester fidèles. Si ça vous intéresse, il y a un beau tifra d'Israël qui raconte l'historique, il ne suit pas ce qui est rapporté dans le Tosot Yom Tov. Moi, je rapporte ce qui est rapporté dans le Tosot Yom Tov au nom du Ran. Ce qui s'est passé, c'est que pour nous éloigner davantage des goyim, ne pas se marier avec eux, Chachamim ont voulu interdire leur vin. Étant donné que le vin, c'est l'occasion de rapprocher les cœurs, on risque de boire, de trinquer les chaim avec un goy, et doucement, doucement, on va devenir des amis. Au moins, il y a une barrière que tout celui qui est confronté dans le milieu professionnel et tout ça, il pourra témoigner combien cette barrière, elle est casse-pied infernale. On ne peut pas boire un pot avec un goy. Dès qu'il y aura du vin, on va lui dire « Ah non, moi je peux pas, on va essayer de... » Donc finalement, vous voyez bien que bon, Hachem, Ramim, ils ont réussi à vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas vous mélanger avec les goyim. C'était parfait. D'accord ? Donc initialement, ils ont interdit de boire le vin. En théorie, ça s'est même passé que le vin, on pouvait pas le boire uniquement dans la maison du goy, mais au début, dans la première takana, on pouvait le boire chez nous-mêmes. Et en théorie même, je mélange un petit peu le tibet d'Israël pour donner un petit peu l'idée qui s'est passé. C'était essentiellement Mishum Benotehem, une xéra pour nous éloigner de leur fille. Ce qui s'est passé, c'est que Chachamim, ils ont vu que malgré tout, on ne pouvait pas interdire avoir un vin de Avodah Zarah, qui est complètement interdit même d'en tirer un quelconque profit, et un vin qui est interdit juste par barrière. Donc du coup, ils ont donné les lois de l'un pour l'autre, et ils ont dit que même ce qu'on appelle le Stam Yeinam, du vin simple qui n'a pas forcément été offert à la Avodah Zarah, on va le considérer comme si il a été offert à la Avodah Zarah. Il va même être interdit à en tirer profit et tout ça. D'accord ? Je pense qu'on va s'arrêter là, on a déjà expliqué le principe, ça suffit. La chometz shel goyim shayam et trilato yain. Chometz, c'est le vinaigre.
donc du vinaigre de goyim, on n'a pas le droit d'acheter du vinaigre de goyim, shehaya mitrilato yain, si c'était du vinaigre qui était initialement du vin. Pour la même raison, étant donné qu'il y avait un vin initial qu'on ne pouvait pas en tirer profit, lorsque ce vin s'est transformé pour en devenir du vinaigre, eh ben on ne pourra plus le boire. À la différence que si toutefois j'ai fabriqué, moi, un juif, j'avais du vin et j'ai fabriqué du vinaigre, et que je vends ce vinaigre au goy, eh ben un Israël pourra utiliser ce vinaigre. Selon le même principe aussi, vous devez sûrement, vous avez déjà entendu parler, est-ce qu'on parle d'abord bien sûr le yain mevushal, du vin qui a été cuit, qui a déjà été, donc qui est déjà passé en casserole, même quelques secondes, il a été chauffé, mis à ébullition, ça suffit, et on pourra le boire même avec un goy, c'est du vin qui a perdu de sa qualité. On parle aussi de vin qui a été mélangé avec plusieurs épices, c'est apporté tout ça dans le Tiferet Israël, c'est un petit sikoum. On traite tout longuement de ça dans le Shemana Aruch Yoredea. Yoredea, à partir de, je crois, Koub, Siman Kouf, Rav Gimel, apparemment, j'ai l'impression que ça commence par là-bas, un sujet que j'ai jamais étudié de fond, mais voilà. Vecheres Adriani. Cheres Adriani, c'est de l'argile Adrien. Ouais, Adrianos Caesar, il marchait mort. Il y avait un César qui s'appelait le César Adrien. Adrianos Caesar, à son nom, on a appelé un argile. Une technique pour transporter du vin très original. Il utilisait ça, lui, quand il partait en guerre. Ils avaient du vin qui était très fort. Il le mettait dedans. Il prenait un fût, un tonneau de vin. Il mettait dedans de l'argile. Et l'argile s'imbibait, puis ensuite séchait. Et donc, ils pouvaient avoir un petit peu de vin qu'ils mettaient dans la poche, sans que ça coule, puisque c'était maintenant pour le moment solide dans de l'argile. Et lorsqu'ils voulaient le boire, alors ils prenaient un verre d'eau, une carafe d'eau, ils mettaient dedans une quantité d'argile, ils laissaient agir. L'argile, ils ne faisaient pas cuire l'argile, bien sûr. L'argile se remettait maintenant à se liquéfier, à libérer le vin qu'il y avait dedans. L'argile retombait et ils buvaient le vin qui était en haut, c'était du bon vin. De ce fait, maintenant, la Mishnah nous enseigne. Si on a du Cheres Adriani, de cette argile, donc cette argile qui a subi ce procédé, alors si on ne pourra pas acheter cette argile-là d'un goy, parce qu'il aura rendu Yain Nesser aussi, selon le même principe. Mais Orot Levouvin, cette fois-ci, on va parler de Avodazara directement. Orot Levouvin, c'est qu'on n'a pas le droit d'acheter des goyim, des pots qui sont perforés. Mais plus précisément, on continue tout de suite. Rabban Shimon ben Gamliel va nous préciser, la halakha va être comme Rabban Shimon ben Gamliel, apparemment il n'y a même pas de discussion d'ailleurs. Et il nous précise comme ça, attention. Bisman shakira shelo agol asur. Si tu achètes une peau de vache d'un goy et que tu vas voir qu'il y a en plein milieu un trou rond, alors akira shelo, ça, il a été troué, déchiré de façon ronde, alors asur, c'est interdit d'acheter, tu es interdit de tirer un profit de cette peau. Par contre, mashur mutar. Si par contre elle est allongée, alors c'est permis. De quoi on parle précisément? C'est très simple. Ils avaient un procédé de Avodazara, d'apporter le cœur de l'animal. Donc ils apportaient une vache entière, et puis lorsqu'ils voulaient ensuite l'approcher, ils découpaient autour du cœur un rond, et ils sortaient comme ça le cœur entièrement. Alors ce cœur-là, alors maintenant, puisque cet animal a été une tikrovet Avodazara, elle est passée en zivre métim, c'est devenu un sacrifice de Avodazara, même si on ne l'a pas brûlé entièrement, mais malgré tout, toute la bête est interdite à cause de ça. De ce fait, on ne pourra même plus tirer de profit de cette peau. Donc si on va ensuite acheter une peau de vache pour faire du cuir chez un goy et qu'on remarque qu'il a la peau déchirée en rond, en forme de rond au niveau du cœur, alors on ne pourra pas acheter cette peau-là, elle sera assoura. Par contre, si c'est Aroch, elle est rallongée, il y a juste une ouverture comme ça, alors on va dire maintenant, c'est qu'il n'a pas fait en Avodazara, il a juste égorgé, pour X ou Y raison, il a besoin de déchirer la peau, mais en tout cas, ce n'était pas la manière de la porter en sacrifice à son idole. De ce fait, on pourra l'utiliser. On pourra se tirer profit de cette peau, on pourra l'acheter, l'utiliser, l'exploiter. Ensuite, dernier sujet, presque avant-dernier, Basar anichnas la Avodazara mutar, ve'ayotse asur, mipne shehu kezivre, metim divre Rabbi Akiva. Bassar anichnas, de la viande qui entre dans la Avodazara, dans le temple dans lequel on fait le service de Avodazara, elle est en route pour entrer, de la viande. Alors, moutard, on a le droit d'en tirer profit. Si toutefois, j'arrête le goy avant qu'il entre, je lui dis, bon, tu quoi, donne-le-moi, mon chéri, la faim. Il me dit, allez, prends, achète, alors j'ai le droit d'en tirer profit. Par contre, ve'ayotse, si toutefois, je vois le goy qui est en train de ressortir avec le plateau de viande de la Avodazara, alors, à sourd, je n'aurai plus le droit de tirer de profit
je n'aurais plus le droit d'acheter cette viande pour la donner à manger à mon chien, puisqu'elle n'est pas cachère quand même, mais je pourrais rentrer où la donner à manger à mon chien. Et bien la Mishnah nous enseigne que non. Lorsqu'il est, le goy est en train de ressortir de la Avodah Zarah, tu ne pourras plus le prendre. Pourquoi ? Car cette viande a un statut d'être comme si ça avait été un sacrifice pour l'idole. Et on explique un petit peu mieux. On ne parle pas cette fois-ci d'un animal que le goy apporte, parce que ça, c'est évident que si le goy il ressort avec des morceaux de chair, de viande, alors qu'il était entré alors avec un mouton à l'intérieur, c'est sûr que cette viande, elle est devenue assourra. On n'en parle même pas, c'est tellement que c'est évident. On parle en réalité là de quelque chose d'autre. Il est venu avec de la viande dans son temple. Soit, au lieu d'apporter en offrande une vache vivante, et de lui faire le procédé de l'égorger, de jeter le sang, comme nous on faisait au Misbéar, ouais, il a apporté un plateau de viande. Donc il est en train d'apporter pour en faire une offrande. Malgré tout, puisqu'il va en faire une offrande pour sa Avodah Zarah, alors ça va devenir interdit lorsqu'il va ressortir. Mais tant qu'il n'est pas encore entré, puisqu'il n'a pas encore offert, il n'a pas encore fait d'action de service, il n'a pas encore servi sa Avodah Zarah en apportant cette viande, il y avait un rituel de venir d'approcher le plateau, je ne sais pas exactement comment il le faisait, j'imagine un peu comme chez nous, on le faisait sur l'autel. Alors tant qu'il est en route pour entrer, ça n'a pas pris encore un statut de tikrovet Avodah Zarah. Et le chidouche, il est... c'est-à-dire que ça n'a pas pris de statut de tikrovet, ouais. Il y a un chidouche que ça s'appelle Azmana Lav Miltai. Même s'il a prédestiné à l'Avodah Zarah, mais puisqu'il ne l'a pas encore apporté concrètement, alors ça n'a pas encore été, c'est pas encore devenu interdit de tikrovet Avodah Zarah. Par contre, donc, comme on a dit, s'il est en train de ressortir, donc il a déjà apporté le plateau de viande sur son autel, devant son idole, de ce fait, on n'a plus le droit d'en tirer profit, c'est devenu assourd, aussi bien que les ivrei metim, que les sacrifices eux-mêmes sont interdits. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Akiva, du Rabbi Akiva. Dernier sujet de la Mishnah, Aolchin la Tarput, ceux qui sont en train de partir, je ne sais pas si ça se dit pèleriner, dans leur lieu saint, qui est loin même plusieurs jours avant, mais qu'il est en train de monter là où il est en train de monter, là où il veut partir, je ne sais pas, imaginez qu'il y a un lieu en Inde où est-ce qu'il va partir, là-bas, c'est le grand rassemblement pour la grande fête, et il a déjà organisé son billet, il est déjà avec sa valise dans la rue, alors là, donc il est relèche les Tarput, Tarput, c'est un nom pour désigner la fête de Avodah Zarah, c'est un petit jeu de mots bien sûr, comme d'habitude, parce que Khamim parle toujours de manière moqueuse sur la Avodah Zarah, et on parle en réalité que c'était l'endroit, une salle du corps humain, quoi, elle est définie par Tarput. De ce fait, on a utilisé ce mot pour la fête des goyim. En tout cas, s'il est en route pour le Tarput, alors la Mishnah nous enseigne, sur la set, la tête imahem, on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux, ni de leur donner, ni de leur vendre, ni de leur acheter des choses. Comme ce qu'on a, sur le même principe qu'on apprenait dans le Perek Aleph. C'est d'ailleurs une question qui soulève les Mefarshim, pourquoi tu te mets à parler de ça ici, il va leur parler de ça là-haut, on va pas entrer dans les détails, mais en tout cas, donc, la Mishnah nous enseigne, pour deux raisons, de nouveau, de peur que s'il va faire une bonne affaire, il va partir davantage glorifier sa Avodah Zarah, donc on ne peut pas le pousser à faire ça, et aussi de peur que tout simplement, il est en train d'acheter quelque chose qui va lui servir, qui va en faire une offrande, et dans ce cas-là, on pense à l'interdit de l'Efneiver, l'Otitan Mershol, tu ne mettras pas une embûche devant un aveugle. Et de ce fait, donc, tu n'auras pas le droit de lui vendre. Quoi que ce soit, s'il est en route pour partir. Par contre, Ve'a Bain, s'il est sur son retour, il est tout feu tout flamme, il revient de la ville là-bas, tout emballé, et bien malgré tout, on a le droit de faire du commerce avec eux, Moutarine, on a le droit de faire du commerce, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.